Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une histoire très drôle à vous relater. J'étais dans un bus de 50 places, il y avait 48 femmes et 2 garçons. C'était moi et mon ami. Écoutez-moi. Dans le bus, les femmes, elles étaient trop belles. L'incarnation de la beauté africaine. Des femmes qui n'ont jamais été colonisées par des vergetures sous leur peau. À la peau noire, dorée et claire comme la neige de la Chine. Et je me demande même si des femmes comme ça, elles arrivent à voir leur menstrues. Et c'est en ce moment, le voisin qui était à côté de moi, sa femme l'appelle. Et mon voisin, pour faire bonne impression et intimider les femmes qui étaient dans le bus, il a décroché son téléphone. Et il a activé le haut-parleur pour que tout le monde l'entende. Écoutez, écoutez, je vais enregistrer. Allô? Allô bébé? Oui, allô? Ça va? Quoi? Je te manque déjà. Mais tu as quel problème toi? Pourquoi tu es comme ça? Hein? Tu as bu la bouillie de l'enfant et puis tu as fui. N'importe quoi. Marie est incapable comme ça. Attends. Mais attends, je vais divorcer. Oui, comme ça tu vas rester chercher quelqu'un qui va laver pour toi tes caleçons troués là. Malade comme ça. Et le gars con qu'il est, il demande à sa femme, pourquoi tu me dis ça? Et sa femme lui répond, au couteau de Nangolo.